Salut tout le monde, c'est Loudingue, j'espère que vous allez bien. On est en train d'extraire du pétrole en ce moment même. Je prends un petit peu de recul, mais regardez comme c'est beau. On est ici dans notre deuxième colonie, la colonie qu'on a bâtie sur le Dreadnought abandonné. On poursuit aujourd'hui notre aventure dans Frostpunk 2, dans la campagne principale, c'est parti. Je vais utiliser le brise-glace tout de suite pour prendre des zones autour de ce puits de pétrole. Voilà qui est fait, je valide. Il faut absolument qu'on envoie des matériaux rares ici et des marchandises. On va retourner à la Nouvelle-Londres tout de suite. Il nous faut davantage de matériaux. Je vais construire un district d'extraction ici sur ces forêts gelées. On pourra y récupérer pas mal de matériaux. Voilà, je construis. L'ennui, c'est qu'on a une confiance générale qui est très élevée. On est admiré en tant que gouverneur et notre population est donc croissante. Ils sont heureux, donc bah, ils font des bébés, ils se reproduisent. Les relations avec les néo-londoniens s'améliorent, très bien, parfait, on est vraiment au firmament. Le problème, c'est que la population croît, et donc les besoins en abri et en nourriture également. On va aller dans l'arbre des idées tout de suite. Et on va aller faire une recherche sur les scieries. On a deux types de scieries qui nous sont proposées. On a la scierie mécanisée, qui charge directement le bois gelé dans des déchiqueteuses, séparant les matériaux utilisables des déchets végétaux. Et on a les scieries de bois non traitées. Ici, il est transformé, le bois gelé, en matériaux utilisables sans traitement préalable, ce qui accélère la production mais expose les citoyens à des champignons et à des moisissures. Donc celui-ci augmente légèrement les maladies. L'autre, la scierie mécanisée, augmente l'insalubrité. La production est meilleure avec les scieries mécanisées. Je vais donc partir sur cette voie-là. Je valide la recherche. Ça va prendre 7 semaines. On commence à manquer légèrement de nourriture. Je vais donc bâtir un district alimentaire ici. Je valide. Et on commence à manquer de thermotickets. Je vais demander une levée de fonds auprès des néo-londoniens. Ils nous sont dévoués, donc ils nous adorent. Ça va légèrement dégrader notre relation avec eux, mais on va récupérer 385 thermotickets, je le fais. Voilà, c'est une bonne chose. Je voudrais créer un district résidentiel supplémentaire. On a une crevasse stable ici avec un bon bonus. On va aller envoyer immédiatement le brise-glace sur place. Je vais partir d'ici. Allez, brisons la glace, une fois de plus. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, on a des matériaux en surplus. Donc voilà, j'ouvre la fenêtre de transfert. On va en transférer au Dreadnought abandonné pour qu'ils aient suffisamment de matériaux, qu'ils en aient un petit peu d'avance même. Ça permet un beau surplus d'avance. Et je valide. On va d'ailleurs retourner au Dreadnought abandonné immédiatement. Il nous faut ici un district d'extraction pour extraire plus de pétrole. C'est très important. Je valide. Voilà, on a une nouvelle zone ici de pétrole. 6,6 millions, hein, c'est énorme. C'est en construction actuellement. Retour à la Nouvelle-Londres. Ici, on a un problème. On n'a plus de charbon. Je vais donc démolir le district immédiatement. On récupérera quelques préfabriqués. Encore un petit peu de brise-glace dans cette zone ici pour construire un nouveau quartier résidentiel. Je valide. Que se passe-t-il ici? Surveillance accrue, tour de surveillance. Gouverneur, les gens sont furieux après avoir appris que les gardiens des tours de garde utilisaient leur équipement pour regarder à l'intérieur des habitations. Au début, je pensais que ça servirait à rendre nos rues plus sûres, pas à mater ce qui se passe dans ma chambre, a déclaré un habitant vivant près d'une tour. Les gardes défendent leur utilisation de cet équipement. La criminalité s'est déplacée dans les foyers depuis que nous sommes installés ici. Nous ne pouvons pas laisser les intérieurs hors de portée des forces de l'ordre, a déclaré leur commandant. Quelle est votre position? Alors on a deux positions très différentes. On peut surveiller les foyers, donc surveiller les salons, les gens dans leurs salons, hein, tout simplement. On peut surveiller uniquement les espaces publics. La différence, c'est qu'en surveillant les foyers, on aura une criminalité faiblement diminuée par tour de surveillance. Et en surveillant les espaces publics, on aura des relations améliorées avec toutes les communautés. Je vous avoue que nos relations sont extrêmement bonnes avec toutes les communautés. Donc, pourquoi ne pas surveiller les salons des gens? Oui, pourquoi pas? Allons surveiller les gens jusqu'au milieu de leur propre foyer, avec nos jumelles, depuis nos tours de surveillance. Faisons ça. Donc les tours de guet réduisent davantage le crime encore.
En quel honneur ? On n'a donc pas le droit à un peu d'intimité ? Je n'ai pas besoin qu'on veille sur moi quand je me change ! Oui, c'est une mesure impopulaire, je le sais. Mais ma popularité est incroyable. Je vais étendre ici ce district d'extraction si je peux. Voilà, 1, 2, 3, on a un bonus de plus 20 en chaleur, c'est correct. Ça va nous permettre d'avoir davantage de matériaux. Et je vais ajouter un district industriel à côté. Ah bah non, j'ai pas dégelé le sol. Je vais donc envoyer le brise-glace ici. Voilà, dans toute cette zone-là. Je vais retourner au conseil. Je vais aller dans la partie ville, assistance publique. Et on va établir une règle commune concernant les produits de base tels que les rations de nourriture, les vêtements. Ils sont généralement fournis gratuitement jusqu'à présent. Mais on va changer ça. On va les rendre payantes, ces premières nécessités. Afin d'encourager le sens des responsabilités et du travail, les citoyens devront s'acquitter d'une petite somme en échange des produits de première nécessité tels que les rations et les vêtements. C'est pour responsabiliser la population, voyons. L'avantage, c'est que ça va légèrement augmenter notre production de ressources et le revenu en termes tickets par habitant également. C'est soutenu par les évolutionnistes. Je propose la loi. Elle ne va pas être évidente à voter. On a seulement 27 pour en l'état et 11 contre, 62 incertains. On va donc négocier. On va négocier avec les néo-londoniens. On va leur demander de voter pour, évidemment. Et on va faire une promesse de rechercher un bâtiment qui s'appelle le chevalet de pompage de fraction avancée. C'est exactement ce dont on a besoin en ce moment. C'est une installation qui injecte des produits chimiques acides dans les puits souterrains afin de dissoudre la roche, ce qui assure une extraction optimale du pétrole. Et c'est exactement ce qu'on veut, pouvoir extraire plus de pétrole plus vite. Alors ça va significativement augmenter l'insalubrité, mais c'est pas gênant. C'est une promesse que j'ai envie de tenir. Je fais cette promesse, je lance le vote. Vote sur première nécessité, il nous faut 51 voix. Évidemment, c'est un succès. The law takes effect. Voilà, la loi est promulguée. Première nécessité payante. Ça va râler. Les promesses du gouverneur vont causer la perte de cette ville, nous dit Jack Lancaster. Mais non, pas du tout. Faites-moi confiance. Tout ce que je le fais pour votre bien. Donc on va tenir notre promesse. On va aller dans la partie chevalet de pompage avancé. Et on va faire des chevalets de pompage de fracturation avancée. Je lance la recherche. Ça nous coûte très cher. Mais ça va nous permettre d'extraire plus de pétrole. On va pouvoir construire ce quartier résidentiel ici, dans la crevasse stable. Je valide. Et on va également pouvoir ici construire le district industriel. Voilà, je valide également. Comme ça, on va produire plus de marchandises. Alors, que se passe-t-il ici ? Kiram Townsend, 39 ans, trappeur, épargne un bébé phoque. Désolé, mon petit, j'ai dû prendre ta mère, c'était son heure, mais t'es trop petit pour venir avec moi, ce serait dommage de te priver de ta vie pour si peu de viande. Allez, retourne dans l'eau, on se reverra un jour. Et j'épargnerai tes enfants comme je t'ai épargné aujourd'hui. La ville a avancé vers l'idéal, adaptation. Nous avons donc arrêté de tuer les bébés phoques. Et j'en suis ravi. Je vais bâtir un nouvel institut de recherche de manière à augmenter encore la vitesse de recherche. J'ai un emplacement disponible ici dans ce quartier résidentiel. Je lance la construction. C'est bruyant, j'aimerais pas habiter là-dedans. Mais bon, il y fait chaud, c'est déjà pas mal. Concurrence acharnée, première nécessité payante. Gouverneur, maintenant que les produits de première nécessité sont payants, certains foyers ne peuvent plus les offrir. Un représentant des évolutionnistes défend la décision. Le travail, c'est pour les méritants. Si certains se sentent laissés pour compte, c'est de leur faute. Hein. Ils auraient dû se retrousser les manches plutôt que d'attendre que la ville leur donne tout. D'autres proposent plutôt d'instaurer une allocation hebdomadaire à ceux qui n'ont pas d'emploi. Ce serait à eux de gérer leur argent intelligemment. Que faire ? Ah, c'est intéressant. Alors, nous avons d'un côté le discours qui dit que « Oui, ben si, ils peuvent pas se payer les choses, c'est bien de leur faute. » Donc, on individualise une situation. C'est le discours de la méritocratie. Et de l'autre, on a une proposition d'allocation hebdomadaire pour les sans-emploi.
c'est une mutualisation des moyens pour tirer vers le haut et faire accéder à tous et aux plus nécessiteux les besoins élémentaires, les premières nécessités. On peut choisir d'accorder des aides aux nécessiteux, à eux d'en faire bon usage, et donc dans ce cas-là, on va générer moins de revenus de thermotickets. Ou on peut les laisser à leur sort, l'assistanat ne responsabilise pas les masses, et dans ce cas-là, première nécessité payante demeurera inchangée. Il faut penser à l'avenir. Si on laisse les sans-emploi dans cette situation, de ne pas pouvoir s'offrir des premières nécessités, à terme, ça peut nous causer des problèmes. Il peut y avoir des soulèvements, il peut y avoir des manifestations, il peut y avoir des problèmes dans la ville. Donc je pense qu'on va accorder une aide, et comme ça tout le monde aura, quel que soit son statut socio-professionnel, accès aux premières nécessités payantes. Le gouverneur soit loué, on peut enfin acheter à Billy une nouvelle paire de chaussures, nous dit Rachel Stanton. Ton père va tout dépenser chez ces foutus traînés, nous dit Elma Waite. Je vais agrandir le district résidentiel ici. Je valide. Je voudrais construire une scierie mécanisée, mais il me faut de la main d'œuvre pour ça. Je vais un tout petit peu baisser au niveau du district alimentaire pour récupérer de la main d'œuvre. Je vais aller sur ce district d'extraction de bois. On récupère des matériaux. Il y en a encore pas mal. 435 000. Et je vais construire dessus une scierie mécanisée. Je la place là. On a un gros problème. La chaleur est limitée. On a épuisé nos réserves de charbon. Et on n'a pas beaucoup de pétrole. Heureusement, dans quelques instants, on va récupérer le chevalet de pompage de fracturation avancée. Voilà, ça y est, on l'a obtenu. On va donc aller au Dreadnought abandonné. Et on va donc immédiatement le fabriquer. Donc j'en place un ici. Et je manque de main d'œuvre pour en faire un second. Donc, il va peut-être falloir envoyer de la population sur place. On va retourner à la Nouvelle-Londres. Grâce à la scierie mécanisée, on a une bonne production de matériaux maintenant. Donc je vais pouvoir baisser un petit peu la quantité de travailleurs dans ce district d'extraction ici. Ça va me permettre de récupérer de la main-d'œuvre. Main-d'œuvre que je réaffecte au district alimentaire. Voilà, et on repasse en positif. Donc ce qui me manque toujours maintenant, ce sont des marchandises. Je vais aller dans l'arbre de talent. Dans la partie usine ici, je vais lancer la recherche de l'usine mécanique. C'est une vaste usine dans laquelle une main-d'œuvre réduite utilise des chaînes de montage semi-automatisées pour assurer la production de préfabriqués et de diverses marchandises. Ça va nous permettre de produire davantage de marchandises et également des préfabriqués. Je lance la recherche. Que se passe-t-il ici ? Faye Hutchinson, 28 ans, poétesse, fait sa promenade du matin. Il y a du changement dans l'air, je le sens. Au-dessus de la chambre du conseil, entre les pages des livres, sous la neige soulevée par les chaussures des enfants, nous ne nous sommes éloignés de nos anciennes traditions que de quelques pas, mais c'est ainsi que chaque grand changement est amorcé. J'ai hâte de voir ce que la ville et le gouverneur vont accomplir. La ville a avancé vers l'idéal raison. Donc je vous rappelle que les idéologies, l'humeur de la ville sont en bas à gauche, ici, et on peut voir qu'on a avancé sur la voie de la raison, qui est opposée à la voie de la tradition. La voie de la raison, c'est que nous devons nous affranchir de l'ancien ordre social, grâce à la logique et à la raison, nous prospérerons, c'est un nouveau monde, il appelle à une nouvelle société. On retourne ici au Dreadnought abandonné, et on peut voir que la production de pétrole a bien augmenté. On a même le pôle de réserve qui est plein. On va faire un transfert de ressources vers la Nouvelle-Londres. On va envoyer le maximum qu'on peut actuellement, c'est-à-dire 250 de pétrole. Je valide le transfert des ressources. Arrivée de l'or noir. L'excitation est à son comble. Tout le monde attend avec impatience l'arrivée de la première cargaison de pétrole à Nouvelle-Londres. Un avenir sans le froid, c'est presque irréel. Mais pour y arriver, il faut d'abord modifier le générateur afin qu'il tourne avec ce précieux liquide. L'opération sera irréversible. Alors, veillons à bien choisir notre avenir. Prenons une décision. Chapitre 2. Ambition.
Les citoyens se réjouissent à l'arrivée du pétrole dans la ville, mais il reste à déterminer ce qu'elle signifie pour notre avenir. « Nos années de souffrance sont enfin révolues !» crie un représentant des gardes-foix dans la rue. « Le don du pétrole et de la chaleur dans la chaudière nous permettra de vaincre le givre et de fonder un paradis de chaleur. Améliorons le saint moteur pour éradiquer la neige !» Cependant, les évolutionnistes ont une autre vision. Le givre est notre réalité. Ce que racontent les garde-foix est non seulement idiot, mais surtout vaniteux. Que se passera-t-il lorsque le générateur de la nouvelle Londres s'éteindra pour de bon? Il faut s'adapter au monde et reconquérir l'étendue. C'est à nous de choisir la voie à suivre pour la ville. C'est un choix qui, je pense, est important. J'en ai l'intime conviction. Nous pouvons choisir de vaincre le givre ou nous pouvons choisir d'accepter le froid. Vaincre le givre signifie que les garde-foix apprécieront cette décision. A contrario, les évolutionnistes vont condamner cette décision, évidemment. Ça va débloquer les pompes à pétrole, qui n'utilisent que du pétrole, uniquement du pétrole, et ça permettra d'exploiter les gisements profonds illimités. L'autre solution, accepter le froid, apprécié par les évolutionnistes, condamné par les garde-foix, ça débloquera les pompes évolutives, qui utilisent tout type de combustible, et ça débloque les campements à production illimitée dans l'étendue. Donc c'est la voie de l'exploration. On pourra utiliser tout type de combustible, mais il va falloir renforcer notre capacité à explorer parce qu'on va dépendre de ce qu'on trouvera ou de ce qu'on ne trouvera pas dans l'étendue. Mais en même temps, ça nous donne plus de flexibilité. Donc j'ai plutôt envie de choisir cette voie-là, la voie des évolutionnistes, s'adapter au monde et reconquérir l'étendue. Allez, on y va, on fait ça. Acceptez le froid. Convertissons le générateur à ce nouveau combustible avec des pompes évolutives, puis lançons une recherche sur des chaudières permettant d'améliorer les avant-postes viables en campement permanent. Ils nous fourniront une source inépuisable de ressources. Tous les avant-postes ne peuvent pas devenir des campements permanents, mais il y a moult endroits utiles autour de la Nouvelle-Londres. Oui, écoutons la nature, puisons nos forces dans les siennes, nous dit Desmond Simpson. Un garde-foix nous dit: coloniser l'étendue? Pourquoi? Pour qu'on crève chacun dans notre coin? Alors là, les garde-foix sont redevenus neutres. Ils ont vraiment pas apprécié la décision. Froid meurtrier, les citoyens sont morts de froid. Je vais activer le surmultiplicateur brièvement. Mort dû au froid, problème dans la ville. Gouverneur, une vague de froid a fait des victimes dans la ville. Des personnes ont été retrouvées gelées non seulement dans les rues, mais aussi dans certaines maisons et sur les lieux de travail. L'atmosphère est lourde et chargée de colère, les gens craignent que, sous votre direction, l'horreur des années passées ne revienne. Ils veulent que le Conseil veille à ce que de nouvelles lois permettent de lutter contre cette crise, il serait prudent de les rassurer. Donc il faut réduire le froid, tant que ce ne sera pas fait, les habitants continueront à mourir d'hypothermie, et la confiance diminuera. On va envoyer nos éclaireurs dans les contreforts ici, ça m'a l'air intéressant. Il y a un avant-poste minier abandonné, campement potentiel, ce complexe minier était occupé par des enfants. Au fil des années, ils ont grandi puis sont devenus des citoyens de la Nouvelle-Londres. Il y a du charbon sur place et on peut créer là-bas un avant-poste pour récupérer 250 de charbon. En bonus, c'est pas mal. Et on peut choisir de l'envoyer par sentier soit au Dreadnought abandonné, soit à la Nouvelle-Londres. On va l'envoyer directement à la Nouvelle-Londres. Pour créer le campement, il faut 1200 de population et il faut faire une recherche sur les chauffages des campements. Ok. On va essayer la construction d'aérotrames. C'est une route commerciale avancée qui permettra de transférer jusqu'à 600 unités de n'importe quelle ressource. Voilà, je bâtis la connexion comme ça. C'est en cours de construction. On va aller explorer les abords. Autrefois, c'était un petit port qui fonctionnait ici pour acheminer les matériaux nécessaires à la construction des générateurs. Aujourd'hui, il a disparu sous la pression de la glace, ce port. Les éclaireurs disent qu'ils peuvent encore entendre les grognements et les cris des hommes qui hissaient les lourdes machines à vapeur sur le rivage. C'est un territoire ouvert, le niveau de menace est sûr. Le niveau de menace est sûr et on peut y découvrir donc du charbon. On va lancer l'expédition, il nous faut 10 éclaireurs, on les a. Que se passe-t-il ici? Un serment brisé, mine de charbon à explosif. Gouverneur, les néo-londoniens sont furieux depuis la destruction d'un bâtiment cher à leurs yeux, la mine de charbon à explosif. Ils vous rappellent la promesse que vous leur aviez faite, ce qui vous avait offert un soutien conséquent de leur part. Avec cette démolition, vous ne vous attirez que leur hostilité. Qu'allez-vous leur répondre?
Je peux leur dire que nous n'avions pas d'autre choix et les ignorer, ou je peux leur promettre la construction, dire que c'était une erreur. Nous allons y remédier. Et j'aurai 15 semaines pour reconstruire ce bâtiment. Reconstruire une mine de charbon à explosifs. Et je vais leur promettre la construction. Ils vont vraiment s'énerver s'ils l'ont pas. Il me manque des thermotiquets. Je vais demander aux néo-londoniens qui sont ravis de nous aider. Il est trop tôt pour que je leur demande, mince. Je vais demander aux étendiens alors. Voilà, on va récupérer 303 thermotiquets, c'est fait. Je vais construire une mine de charbon à explosifs ici. Voilà, ça va plaire aux néo-londoniens. On va pas dégrader notre relation avec eux, ce serait dommage. On va construire un générateur de pompes évolutives dans la partie centrale, ici, évidemment, sur le générateur. C'est donc la... ce qui va nous permettre d'utiliser différents combustibles dans le générateur. On va faire la recherche chauffage des campements ici. Ça va nous permettre de développer un type de chaudière qui pourrait soutenir des petites populations dans des campements permanents dans l'étendue. C'est exactement ce dont on a besoin pour aller créer un campement à la mine de charbon. Je lance la recherche. Le besoin de chaleur diminue. Ça, c'est intéressant. On va aller au générateur, désactiver le surmultiplicateur. Ça commençait à devenir très dangereux. J'ai des garde-fous qui sont un peu énervés. On va essayer de les apaiser. On va leur faire une promesse, de manière à améliorer notre relation avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien leur promettre? On va faire ça, c'est un peu traditionnel, mais c'est pas mal. On va leur promettre jeunesse serviable. On aura 40 semaines pour faire la recherche. Ça signifie que les jeunes adultes participeront à des activités bénévoles sous la supervision de leurs aînés qui leur enseigneront l'importance des valeurs morales. Dans le jeu, ça va se traduire de la manière suivante. Le pourcentage de travailleurs actifs sera augmenté, donc ça va nous rajouter de la main-d'œuvre, c'est pas mal. La criminalité va légèrement diminuer, parce qu'ils seront occupés à cette activité bénévole plutôt qu'à traîner dans la rue et à jouer du canif. Et enfin, ça déverrouillera une nouvelle capacité, service des jeunes volontaires. Mais ça, je ne pense pas que j'irai jusque-là. On va faire cette promesse, la promesse de rechercher jeunesse serviable. Je valide. Elias Denver dit « Notre gouverneur est à nos côtés et nous sommes aux siens. » C'est un garde-foi, évidemment. « Nous suivons notre gouverneur !» Ils sont fanas de moi, ils sont fans de moi. Je les ai déçus une fois, j'ai un petit marqueur rouge ici. Faut pas que je les déçoive plus de trois fois, je pense. Verser de la glace sur le feu. Radicalisation en hausse. Gouverneur, la ferveur grandissante de certains groupes de notre ville devient préoccupante. Des agitateurs attisent les tensions et poussent les factions vers des actions toujours plus radicales et violentes. Si nous construisions suffisamment de prisons, nos gardes pourraient arrêter de manière préventive ces éléments perturbateurs. Un séjour derrière les barreaux devrait calmer leurs ardeurs. Construisez des prisons pour utiliser la capacité de district arrêter les militants et réduire la ferveur de la faction. On en est là. Prière de rue, rassemblement des garde-fous. Gouverneur, les garde-fous ont pour ambition d'améliorer le générateur pour fonder une utopie chaleureuse et sûre. Afin d'y parvenir, ils ont organisé un rassemblement pour chanter des prières dans les rues. Les sermonnaires répétaient en boucle « Écoutez, vous qui avez la foi, l'évangile du capitaine, jour 5, verset 3. Le générateur réchauffe notre peau, mais la foi réchauffe nos cœurs. Rassemblez-vous, mes frères, mes sœurs, et bâtissons ensemble un paradis !» Leur tirade encourage les citoyens à œuvrer pour le bien commun. Souhaitez-vous leur demander de prêcher un élément en particulier? Oh, c'est chouette. Comme nous avons un certain pouvoir, et comme les garde-fous nous sont favorables, je pense qu'on peut leur suggérer ce qu'ils doivent prêcher auprès de la populace. On peut faire trois suggestions. On peut leur suggérer de prêcher, de contribuer avec de la main-d'œuvre, ou bien de contribuer avec des thermotiquets, ou d'organiser les prières du soir. Contribuer avec de la main-d'œuvre, ça augmentera le nombre de travailleurs actifs. Contribuer avec des thermotiquets, évidemment, ça nous donnera deux revenus en thermotiquets, puisqu'ils organiseront une levée de fonds pour la trésorerie de la ville. Et enfin, organiser les prières du soir. Les garde-fous viendront prier avec les citoyens pour des jours meilleurs et la confiance sera augmentée. On n'a pas de problème de confiance. Ce qui nous manque parfois, c'est des thermotiquets. La main-d'œuvre, c'est un peu ric-rac, mais ça va aller. On va demander de... On va leur suggérer de prêcher pour les thermotiquets. De faire la quête.
On a un symbole ici, on peut voir qu'ils sont en train d'effectuer une prière dans ce quartier résidentiel. C'est très intéressant. On va construire une usine mécanique, ça va nous permettre d'avoir plus de marchandises et également des préfabriqués. J'ai besoin de thermotickets supplémentaires. Je vais demander une levée de fonds auprès des évolutionnistes. On va récupérer 164 thermotickets. Et ça va me permettre de bâtir un centre de réutilisation des déchets pour produire plus de matériaux. Voilà. On va retourner au Dreadnought abandonné ici. On pourrait rebâtir un second chevalet de pompage de fracturation avancée, mais il nous manque de la main d'œuvre et des thermotickets supplémentaires. Il nous faudrait une main d'œuvre de 400. Donc je vais envoyer les citoyens. Je vais envoyer 400 citoyens. Voilà, je transfère. Alors malheureusement, ça nous a pris des citoyens qui étaient actifs. Mais on va gérer, on va gérer. On était presque à l'équilibre à la Nouvelle-Londres. Et puis, on a une population qui a une très bonne croissance démographique. On va aller dans l'étendue. On a fini d'explorer les abords, apparemment. Qu'est-ce qu'on a trouvé là-bas? Une mine de baleines, un campement potentiel. Plusieurs bandes de baleines se sont retrouvées piégées dans la glace en tentant d'échapper au dernier baleinier de l'ancien monde. Nos éclaireurs n'ont jamais vu de créature aussi impressionnante. Le commandant répète qu'il a trouvé sa baleine blanche, mais personne n'a saisi la blague. Il y a quelques années, le capitaine a envoyé une équipe percer la glace pour récupérer la viande de baleine. Nous pouvons rapporter les machines à la Nouvelle-Londres ou envoyer une nouvelle équipe pour poursuivre l'extraction. Oh, bah on va établir un avant-poste, ça nous fera un avant-poste de nourriture, c'est pas mal. Une demi-douzaine de bandes baleines se sont retrouvées piégées dans la glace en tentant d'échapper au dernier baleinier de l'ancien monde. Aujourd'hui, nous extrayons leur viande en brisant la glace. On pense pouvoir se servir des carcasses vides comme habitation. Un avant-poste à cet endroit augmenterait notre production de nourriture de sang jusqu'à ce que le gisement de 100 000 soit épuisé. Construisez un sentier ou un aérotram. Très bien. On va construire un aérotram. Je le construis au Dreadnought, en fait, l'aérotram. Comme ça, on va récupérer de la nourriture au Dreadnought. C'est pas mal. Ça tombe bien, on aura plein de nourriture là-bas, ce sera bien. On pourra arrêter de puiser dans nos réserves qui sont à moitié vides maintenant. Ça fera de la nourriture en permanence pour cette première colonie. On commence à avoir un surplus de marchandises à la Nouvelle-Londres. Je vais donc pouvoir commencer à faire un transfert vers la colonie du Dreadnought. Je rééquilibre un petit peu tous mes transferts. On n'est pas encore assez bon sur le pétrole. Et oui, j'avais oublié au Dreadnought, il nous fallait plus de population. On l'a, la population supplémentaire. Ça y est, qu'est-ce qui me manque pour construire le chevalet de pompage à fracturation avancée? Il me manque de la main-d'œuvre en plus. J'en ai pas assez. Essoufflement des rassemblements. Nos relations avec les gardes-foi se sont détériorées. Ils ne souhaitent plus nous soutenir. Si vous améliorez de nouveau vos relations, ils pourraient changer d'avis. Mince. Je vais leur faire la recherche jeunesse serviable. Ça va leur faire plaisir. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, là où on envoie les jeunes adultes participer à des activités bénévoles sous la supervision de leurs aînés pour leur enseigner des valeurs morales. On lance ça tout de suite. Ça leur fera plaisir. J'espère que ça va récupérer les choses. Leonard Sutton, 23 ans, horloger, répare une montre. Imaginez une société bâtie sur les avancées technologiques, repoussant sans cesse les limites de nos connaissances mécaniques. Un jour, nous pourrons non seulement rebâtir les automates, mais les perfectionner, les adapter à nos besoins, les rendre invincibles. Ou même créer des modèles aussi petits qu'une montre. Un jour, je vivrai peut-être dans une ville qui soutient de tels efforts. La ville a avancé vers l'idéal progrès. Je vais construire un nouveau pôle de réserve de combustible parce que nos réserves de charbon sont pleines. Je vais le placer là. Voilà, nos relations avec les garde-foi s'améliorent. On a mis en place jeunesse serviable, le bénévolat pour les jeunes adultes. Les garde-foi sont redevenus favorables. C'est une bonne chose. Je commence à m'inquiéter un petit peu, il faut que je sois vigilant avec eux. Maintenant, il faut que je fasse voter. C'est pas tout ça, mais c'est une loi. Les citoyens sont assez divisés, il va falloir négocier. Je vais négocier avec les néo-londoniens qui sont les plus nombreux. Je vais leur demander de voter oui. Je vais leur promettre de rechercher un bâtiment qui s'appelle la fonderie à fusion qui permettra de produire davantage de matériaux. Je lance le vote pour jeunesse serviable. Mais c'est un succès. Oui, très bien. Bravo, bravo, bravo. La loi est promulguée. Une dette envers le passé, jeunesse serviable. Gouverneur, un groupe de membres de la jeunesse serviable a une humble requête.
J'étais un rebelle avant, mais le vieux monsieur Feigny m'a montré comment être un homme. En passant du temps avec lui et des gens de sa génération, on a compris tout ce qu'on leur doit. On a du mal à imaginer la vie pendant les années d'enfer blanc. Quels sacrifices ils ont dû faire! Lui et ses camarades souhaitent organiser une cérémonie de remerciement et de commémoration durant laquelle ils récompenseront les aînés de chaque communauté. Devrions-nous financer cette initiative? Ça n'a pas l'air trop vilain. Ça va baisser nos revenus en thermotiquet parce qu'il va falloir financer ces petites cérémonies. Ça va améliorer notre relation avec les gardes-foi. Donc, en l'état, c'est tentant. Si je refuse le financement, nos relations avec les gardes-foi vont se dégrader. Donc, j'ai pas beaucoup le choix. Là. En l'état, je vais accepter de soutenir cette initiative de cérémonie envers les anciens qui ont connu des situations bien difficiles. Donc là, on a une situation très stable. Toutes nos ressources sont positives. C'est assez incroyable. Et notre confiance générale est admirée. Donc on est vraiment dans un état quasi parfait, je dirais même parfait. Ce que j'essaye d'avoir maintenant, c'est d'augmenter ma main d'œuvre pour pouvoir envoyer 2000 travailleurs en tant que colons pour créer un campement ici, à l'avant-poste minier abandonné. Pour créer le campement, il nous faut 10 équipes d'éclaireurs, on les a, les matériaux, la nourriture, ça on les a. Et il nous faut une connexion aérienne. Donc on va faire une connexion aérienne avec un aérotram. Voilà, je valide la connexion. On va lancer des nouvelles recherches sur la fonderie à fusion ici. C'est une usine où le minerai de fer est mélangé à des agents accélérateurs et chauffé à très haute température, ce qui maximise la production mais libère des émissions toxiques, donc augmente l'insalubrité, augmente heureusement la production de matériaux. Ça va plaire aux néo-londoniens, ça va plaire aux garde-foi également. Je lance cette idée de recherche. Je vais retourner au Dreadnought. Et maintenant que j'ai de la main d'œuvre supplémentaire, je vais agrandir le district pour avoir plus de pétrole. Je vais le faire sur les deux. Et comme on va devoir explorer de plus en plus, je vais envoyer le brise-glace dans cette direction pour aller jusqu'à l'ancien relais qui se trouve là pour avoir plus d'éclaireurs disponibles. Je vais regarder si je peux pas faire une nouvelle promesse aux garde-foi. Faut que j'améliore mes relations avec eux. On peut leur promettre de rechercher maternité consacrée, c'est-à-dire que les femmes qui mettent des enfants au monde seront définitivement exemptées de tout autre devoir afin qu'elles puissent se concentrer sur leur éducation. On va pas condamner les femmes à être des mamans. Donc c'est hors de question. On peut promettre tout le monde à la maintenance pour que tout le monde participe à l'entretien des machines. Ça diminuera la demande en matériaux. On peut promettre d'utiliser le service des jeunes volontaires. C'est pour que les jeunes utilisent leur temps libre à travailler bénévolement pour améliorer la ville. Je vais leur promettre cela. Je vais également leur confier le programme pour qu'ils puissent choisir la prochaine loi. Ils définissent l'ordre du jour du conseil. Oh, c'est la saison froide qui commence. Faut qu'on fasse des recherches pour améliorer le générateur. Donc, amélioration du générateur numéro 2. On peut faire des injecteurs adaptatifs. Ça va débloquer l'optimisation de la consommation, ce qui va augmenter la production de chaleur du type de combustible sélectionné. D'accord. Je lance la recherche. Que se passe-t-il ici? Nous nous souvenons, jeunesse serviable. Gouverneur, grâce à notre financement, les jeunes du programme Jeunesse Serviable ont organisé leur cérémonie de remerciement et de commémoration. Des personnes âgées de toutes les communautés sont montées sur scène et ont raconté le récit de leur vie et de ce qu'ils ont donné pour que la ville survive. Un repas commun et de nombreuses discussions ont suivi. L'événement a rassemblé toute la ville. La tension a légèrement diminué. Très bien. Barbara Bell et garde-foi dit « Nous triompherons ». Je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. On a une situation qui est assez stable. On se retrouve très vite pour la suite. On essaiera la prochaine fois de créer notre campement à l'avant-poste minier. Et on essaiera de continuer à survivre dans l'univers dramatique et incroyable de Frostpunk 2. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, jouez bien, et à très bientôt. Ciao, ciao.